Une chape, tout d'abord, ça sert à recevoir le revêtement de sol, quel qu'il soit. Que ça soit du carrelage, du parquet, du béton ciré, tout type de revêtement de sol. Il faut savoir que dans la construction, vous allez avoir une dalle en béton qui va être l'armature de la maison, on va dire. Et ensuite, au-dessus, il va y avoir des tubes de distribution pour l'eau, l'électricité, parce qu'il faut bien les faire passer quelque part. Et pour poser des carreaux ou du parquet, il va falloir fabriquer un support. Et le support, ça s'appelle la chape. Techniquement, c'est un petit peu plus compliqué, mais jusque-là, on arrive à la situer dans la couche de la maison. Futur entier, salut à toi, je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo de cette série de construction. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de te retrouver avec Gaëtan, Bonjour. qui s'occupe de la chape sur mon chantier. Donc si jamais tu me découvres dans cette vidéo et que c'est ta toute première, je t'explique un petit peu le concept de ces vidéos. En fait, je fais une construction ici de deux maisons et j'ai décidé de découper tout le projet de construction en plusieurs, chaque étape en plusieurs vidéos YouTube pour te donner un maximum de conseils. Donc aujourd'hui, on va voir quels sont les différents types de chapes avec Gaëtan et il va essayer de t'éclaircir un petit peu ce qu'est une chape. Alors, une chape, tout d'abord, ça sert à recevoir le revêtement de sol, quel qu'il soit. Que ça soit du carrelage, du parquet, du béton ciré, tout type de revêtement de sol. Il faut savoir que dans la construction, vous allez avoir une dalle en béton qui va être l'armature de la maison, on va dire. Et ensuite, au-dessus, il va y avoir des tubes de distribution pour l'eau, l'électricité, parce qu'il faut bien les faire passer quelque part. Et pour poser des carreaux ou du parquet, il va falloir fabriquer un support. Et le support, ça s'appelle la chape. Techniquement, c'est un petit peu plus compliqué, mais jusque-là, on arrive à la situer dans la couche de la maison. Ok, parfait. Quels sont les différents types de chapes alors? Alors, précédemment, on avait ce qu'on appelle des chapes sèches, c'est-à-dire que l'on fabrique du mortier avec du sable, du ciment et de l'eau, et ça reste une consistance terre humide. Et donc ça va être étalé sur le sol et on va le tirer avec une règle manuellement. Ça devient, enfin, aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle une technique traditionnelle, mais qui reste très pénible à mettre en œuvre puisque les matériaux sont lourds et la gymnastique pour mettre tout ça en place, c'est quand même très très difficile. Donc, l'ouvrier va être fatigué le soir. Et depuis quelques années, moi j'ai découvert ça en 1994, sont apparues les chapes fluides. Alors, il y existe plusieurs types de chapes fluides, la chape fluide ciment et la chape fluide anhydrite. Elles ont toutes les deux des propriétés et des caractéristiques spécifiques pour des utilisations différentes. Mais à partir de là, on a supprimé, entre guillemets, la pénibilité du travail, c'est-à-dire qu'on va travailler non pas en position à genoux, mais en position debout. Donc tout de suite là, ça devient beaucoup moins pénible et on va avoir des cadences de production qui vont être nettement supérieures. On peut arriver jusqu'à 400, 500, 800, 1000 mètres carrés par jour avec quelques compagnons, alors qu'en traditionnel, c'est complètement irréalisable. L'avantage aussi de la chape liquide, c'est que ça va être fabriqué soit dans une centrale à béton, soit ça va être pré-mélangé, du pré-mix, dans des usines avec des contrôles qualité spécifiques et rigoureux. Et ça va être amené sur le chantier, donc soit avec une toupie, un camion qui a une citerne qui tourne, qu'on voit passer sur la route, qui en met de temps en temps un peu sur les goudrons, et soit dans un autre système de pré-mélangé avec des espèces de camions-citernes, on appelle ça une banane. Ça a la forme d'une banane, on ne pourrait pas dire pourquoi. Et ça a plus de flexibilité parce qu'on peut l'utiliser quand on a envie. C'est-à-dire le produit arrive sec sur le chantier. Donc si le chantier est prêt, ben, on peut travailler. Si ce n'est pas prêt, ben, on vient plus tard et le produit reste toujours sec. Ça, c'est un des avantages de ce système. Ensuite, les chapes anhydrites ont été les premières qui ont pris un essor sur le marché national, puisqu'elles étaient d'une meilleure qualité que les chapes ciment. Aujourd'hui, les chapes ciment commencent à arriver au même niveau.
Elles sont surtout destinées aux zones qui reçoivent un plancher chauffant. Alors un plancher chauffant, c'est des tubes en PER qui vont être distribués sur le sol. Et ces tubes-là vont être recouverts par cette chape qui va représenter et la masse d'inertie, mais la plus faible possible, et en même temps le récepteur de chaleur qui va lui diffuser. Donc la chape anhydrite a des avantages parce qu'on peut avoir des surfaces un petit peu plus grandes sans faire de joint de fractionnement. Alors le joint de fractionnement, c'est un matériau qu'on va couper la chape sur une épaisseur définie et il va falloir mettre un joint manufacturé qui va se voir dans le revêtement de sol, sauf dans le parquet. D'accord. Et la chape ciment, elle, va avoir des surfaces tolérées moins importantes, c'est-à-dire qu'il va falloir fractionner un petit peu plus. Mais ça dépendra surtout du type de matériau qu'on va mettre dessus. Ensuite, il y a toute une quantité de systèmes constructifs qui peuvent permettre de faire le choix d'une chape ou de l'autre. D'accord. Mais moi, je recommande essentiellement de mettre de la chape anhydrite quand on a du plancher chauffant. Parce qu'il faut arriver à un taux de séchage de la chape pour poser du revêtement qui est vraiment très 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 bas, alors qu'avec une chape ciment, on peut rester plus haut. Ne me demandez pas pourquoi, je ne suis pas chimiste ni ingénieur, mais la pratique, c'est comme ça. Génial. On a démarré les chapes liquides en 1994. Et là, quand j'ai dit à mes collègues et confrères que je démarrais cette activité, on m'a dit « mais tu es complètement fou, ça ne marchera jamais ». J'avais l'impression d'avoir déjà entendu ça sur une pub de Renault. J'ai entendu ça moi aussi avec pour mon métier. Et en fin de compte, aujourd'hui, en 1994, on a réalisé 6000 m². Aujourd'hui, on en fait quasiment 100 000. D'accord. Un petit écart. Voilà, on est outillé pour faire ce métier-là. Il y a beaucoup de logistique, beaucoup de préparation. Et on est une société de service, donc on essaye d'apporter des solutions sur les chantiers et pas des problèmes. Voilà. Okay. Ensuite, il y a un cadre législatif qui donne des règles pour appliquer les chapes. On tend à ce que sur les chantiers, ça se passe comme c'est écrit sur le papier. Ça arrive ? De temps en temps. Non, on essaye de... Nous, on est une entreprise qui essaye de travailler correctement. Il y a des textes, on essaye de coller au plus près du texte. C'est pas la peine de faire n'importe quoi. On va revenir avec un expert. On va se fâcher avec le client. On n'est pas fâché encore. Pas encore. J'ai pas travaillé. Les chapes sont pas finies. J'ai pas travaillé. Et donc, on essaye de travailler dans le bon sens. Après, la chape liquide, ce n'est pas les calculs de la navette spatiale pour qu'elle vienne se reposer sur Terre. Hein. On remplit un espace. Il faut bien comprendre que la chape liquide, c'est comme quand tu remplis ton verre d'eau. Si tu fais un trait, bah, tu remplis jusqu'au trait. Mmh. Tu ne vas pas plus haut. Ça marche. Voilà, c'est tout. Bah, Gaëtan, je te remercie pour ces infos. Ce que je te propose, c'est qu'on va leur faire d'autres vidéos. On va détailler chaque type de chape que tu nous as donné ici. On donnera les avantages et inconvénients de chacune. Ok, okay, ça marche. Je suis là. À Futur Entier, merci d'avoir suivi cette vidéo et tu me diras en commentaire, tu remercieras Gaëtan, c'est sa première vidéo pour nous faire part de son savoir sur les chapes. Donc, je t'invite à aller dans la description, tu retrouveras énormément d'informations, non seulement les liens des précédentes vidéos de cette série de construction, mais également de la formation gratuite sur l'investissement immobilier, la fiscalité, la rénovation, la construction. Bref, tu auras énormément de cadeaux dans cette description. On te laisse avec Gaëtan, puis on te tourne la prochaine vidéo de ce pas. Voilà, ciao, ciao.